Ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la semaine sur mon Let's Play Impérialisme 2. Allez, je vais continuer ma lente mais certaine conquête. Oh, non, je me suis fait peur, j'ai eu peur que l'Angleterre soit conquise, mais non, pas tout à fait. Ok. Ma conquête donc de l'Angleterre. Bon, elle est bien engagée honnêtement. Il n'y a pas grand chose qui pourra m'arrêter maintenant. Je pense que j'avais tout fait dans ce tour-là. Alors pour ce qui est de la nourriture, ça va, je suis plutôt pas mal. Là je stocke même un petit peu. Pour ce qui est des ressources, là je suis à 6. Là je pourrais être à 9. Un peu plus même parce que j'en fabrique un dans une ville. Donc ça c'est parce que j'ai augmenté la taille d'une ville. Donc maintenant elle me fournit du sucre transformé directement. Donc en fait je pourrais aller jusqu'à 10. Et là jusqu'à 6, alors on va faire ça tout de suite. Ah bah en fait c'était déjà fait, sauf que là je peux en faire 2 carrément. Alors un petit... je vais remettre ça en... Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Merde. Ah, faut que je refasse tout. Bon, c'est pas grave, je vais surtout baisser ça. Ça, évidemment, je vais tout transporter. Là, 32, c'est pas assez. 23, il m'en faut beaucoup plus que ça, hein, je sais pas pourquoi. Voilà, 50. Et par contre, je suis plus qu'à 12. Mais par exemple, j'ai pas besoin de 10 cuivres si j'ai que 7 étains. Donc je vais, de ce pas, en prendre que 7. Ah, je peux en prendre... je peux pas descendre plus bas, en fait. Ok, la 5 c'est bien, là j'en ai pas besoin d'autant. On remarque 15 de transport ça suffit, voilà. En fait c'est ça que je voulais faire, voilà. Et je m'étais trompé. Bon, c'est bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une petite bataille entre le Portugal et la Suède. Rien de bien méchant. Ah, j'ai peut-être oublié de faire de la science. Donc là c'est bon. Il va falloir vraiment que je fasse d'efforts un peu partout. Pour les forêts, je suis bien embêté. Plutôt du niveau 2 ici, comme ça. Ah non, j'ai déjà fait tous les niveaux 2 là. Je peux pas faire de niveau 2 sur des terrains aussi pauvres. Bon, il faut... Bah ou alors je les transporte, tiens, épices, ça me fera de l'argent. Alors là, clipper, fort. Je vais faire un peu d'industrie. J'ai pas besoin, j'ai pas beaucoup de fourrure. Donc celui-là va pas me servir beaucoup pour l'instant. Donc je vais faire des ressources. On verra pour la suite. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque l'Angleterre? L'ennui, c'est que maintenant, toutes ces troupes sont concentrées dans deux provinces. Donc c'est super chaud, en clair. Je suis pas sûr de gagner. Ça dépend ce qu'il y a, quoi. Là, il n'y a pas grand-chose, ceci dit. Je pense que celle-là se tente. En plus, c'est la capitale, évidemment. Alors, 1, 5, 6, 7, 8... 9, 10, ok. Bon bah allons-y. Au pire, je fuis si vraiment c'est pas possible. Non, reject. Ouais, ça me paraît difficile. Bon, c'est des troupes pas très modernes quand même, à part l'artillerie là, mobile. Je pense que ça se tente, honnêtement. On va mettre les cavaliers d'un côté. L'artillerie de l'autre. Et l'infanterie avec... Voilà, là, comme ça. Et il a décidé de passer à l'attaque. On va attendre. De toute façon, c'est nous qui allons bouger parce que lui, il va évidemment rester en défense. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de mettre le chronomètre pour la vidéo, donc je vais le mettre maintenant, sauf que je sais pas tout à fait depuis combien de temps c'est commencé, mais bon. Ok. Bah il faut passer à l'attaque, j'ai pas le choix. Je
pense que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Peut-être celui-là d'abord. Ah, il va tirer son coup de défense. Ah, il m'a bien défoncé là. Un deuxième coup de défense de celui-là, mais par contre, je vais pouvoir lui tirer dessus aussi. Ok. Voilà, réduit au silence. Lui aussi. Ouais, c'est parti. On va essayer de se débarrasser d'un maximum de troupes, comme ça, si au pire on passe pas cette fois, la prochaine fois, bah, ce sera un peu plus facile. Si j'arrive à éliminer quelques unités ennemies. Aïe, ça fait mal. Allez, c'est parti. On va essayer de faire une brèche. Mais j'ai déjà perdu beaucoup d'artillerie, je trouve. Alors après, je peux aussi détruire le fort. Donc ça fait pas très mal à distance, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Elle est presque réduite au silence. Celui-là, je pourrais le faire bouger, mais je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas fuir. Aïe, ça fait mal à chaque fois qu'il me tire dessus. Ok, c'est parti. Maintenant, on va aller là. Ah bon, les archers vont me faire un peu mal peut-être. C'est pas gagné encore, hein. Mais au pire, je détruis son fort et puis après on n'en parle plus. Voilà. Comme ça, ma prochaine attaque, j'aurai pas le problème du fort à régler. Là, je pense que je vais quand même pouvoir lui détruire un maximum d'unités. Ouais, celle-là, elle est anéantie. Celle-là, à mon avis, elle est trop vieille pour vraiment faire beaucoup de dégâts. Oh, ça fait mal, hein. Alors, j'aimerais bien me faire celle-là quand même. Merde, je l'ai pas achevé. Ok. Il me reste un canon. Ah bah voilà. Il abandonne pas le combat, hein. Il a combien? 2, 4, 6, 6 unités, 7. Bon, je pense que les archers là, ils vont vite être gérés, mais. Méfiance quand même, hein. Ouais, c'est quand même une unité d'un autre temps là. Ah, putain, chaud. Ok, ça fait mal quand même. Ça doit le faire. Je vais me faire celui-là. Bon là je peux bouger mais je pourrais pas attaquer. C'est pas grave. Oh, il va se faire ma dernière unité d'artillerie. Ouch, il me l'a détruit. Enculé. Bon, même si je perds, j'aurai détruit beaucoup d'unités, donc c'est l'essentiel. Et encore, je suis pas sûr de perdre. Hein. C'est pas encore tout à fait fait. Étant donné qu'il a plus beaucoup d'unités modernes. C'est vrai qu'il fait mal avec ses petits archers, là, mine de rien, mais. D'abord, moi j'ai de la grosse artillerie là. Il aurait pas dû s'approcher. Et puis j'ai cette unité-là qui est quand même beaucoup plus moderne. Et qui va faire très mal. Ok. Bon bah j'ai perdu, je crois, ma première unité.
Mon artillerie, là, j'avais encore pas perdu. J'ai réfléchi, mais. Je crois que j'avais pas perdu une unité encore. Je sais pas si c'était évitable. Peu importe, j'ai pris Londres, première capitale à tomber. Voilà, ça fait plaisir. Ennemi capital, fortification. Ah, j'ai donc ça a amélioré a priori, ça a amélioré ma muraille. On va tout de suite voir ça. Ah oui, j'ai un fort niveau minimum 2, je pense. Bah, c'est parfait. Et surtout, c'est à mon avis, c'est quand même une province assez riche qui va m'offrir. Oula, 71 de blé. Là, c'est ce qui s'appelle une nette augmentation. Alors, du coup, il va y avoir un petit problème. Il va me falloir des navires. Moi, je peux en faire deux. Je vais remplacer mon artillerie. Alors, je vais faire un railroad ingénieur. À mon avis, ça permet d'exploiter les provinces avec trois niveaux d'exploitation là. Pour l'instant, je suis rendu niveau 2 un peu partout. Mais à mon avis, ça me permettra de faire le niveau 3. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire là? Ah, j'ai même pas assez pour faire un niveau 1. Il faudrait que je fasse tout ce coin-là, là. Ok. Mon navire ici, il faut que je le ramène à la maison. Donc je suis plus en guerre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais ramener toutes mes troupes à Paris. Ah si, je dis des bêtises, je suis encore en guerre en fait. Non, je vais pas ramener mes troupes à Paris. Il me reste la dernière ville anglaise à prendre. Ça va être chaud. Je sais pas ce qu'il peut les garder là. Espérons que ça se passe bien. Donc là, je peux aller jusqu'à 11. J'ai 425 de buff là. Du coup, j'ai plus besoin de prendre autant de stock. Je vais mettre ça à zéro. Je vais perdre tout mon stock. J'en ai plus besoin. Et je vais plutôt ramener des choses qui vont me servir un peu plus. Voilà, je vais tout ramener le reste. Le blé aussi, mais ça c'est pour faire mon. Ah merde, non, mais peut-être pas autant. Voilà. Pour ce qui est de la vente. Ça, je vais garder, sauf que je vais en vendre 14. Ça, je vais en vendre un peu aussi. Ça. Je peux en vendre un peu. Ok. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je crois que je suis bien là. Réfléchissons, ça m'a l'air bon. La science. Ah, j'avais oublié ça. Donc, je vais continuer les exploitations. Coton, coal, tout ça, j'en suis loin parce que j'ai même pas fait le niveau 2 partout. Ok, là je vois le nombre d'iron que j'ai, c'est impressionnant. Alors, il faut que je refasse des forts dans toutes les villes que j'ai prises là. Alors, pour l'instant, lui, je vais pas faire grand-chose avec. Je vais me mettre au repos peut-être. Donc là, j'ai dit qu'il fallait que je fasse l'iron un peu partout là. C'est où déjà? C'est là. Un petit peu de forêt aussi, cuivre. Là, je sais pas quoi faire. Est-ce que j'attaque tout de suite? Ah, je peux pas attaquer tout de suite d'ailleurs. Repos. Ça, c'est l'unité remplaçante. Est-ce que j'ai d'autres unités militaires? Ah bah oui, j'ai toutes les unités qui étaient en Angleterre là. Ça peut venir là. J'en ai partout, hein. J'en ai là. Ok, et peut-être que j'en ai encore une ici. Non, elle est déjà en train de voyager. Ok.
Bon, j'ai fait le tour. Et merde, les Portugais m'ont devancé. Bon. Bah tant pis. Oula, les Portugais sont devenus violents là. Faudrait peut-être que je m'occupe d'eux, un de ces quatre. Alors, ici, un fort. Ici, le fort c'est déjà fait, donc je passe. Ouais. Non, lui, je vais le mettre au repos pour l'instant. Bah, du coup, je vais tout ramener à Paris, comme ça, ça me permettra de. De faire le point sur mon nombre d'unités. Donc, ça, Paris. Ça, Paris. J'ai beaucoup d'unités à améliorer aussi. Hein. Je vois que. J'ai des nouvelles unités là. Je sais pas s'il y a un moyen de tout sélectionner automatiquement. C'est un peu lourd là. Ok. Alors, un petit point sur les ressources. Il faudrait que je. Là, je suis à 11 et 6. Donc, je peux encore faire un. Je peux encore faire un comme ça. Ok. Et je peux faire. Comme ça, je peux en faire 24 déjà. Je vais en faire un chiffre impair pour compléter là. Ok. Ce que je peux faire aussi. C'est un ingénieur de plus. Et. Un builder de plus. Ah, j'ai oublié les sciences. Ok, c'est parti. Alors l'ingénieur, il va faire des routes, évidemment. J'en ai beaucoup à faire. Hein. Faut que j'en fasse une par ici. On va commencer. Alors, j'ai besoin de quoi? De d'étain ou de cuivre? Ouais, c'est toujours l'étain qui me manque. Si c'est que j'en ai pas des masses. Ouais, j'en ai une là. Et j'en ai une ici de niveau 1 que je vais transformer en niveau 2. Lui, je sais pas ce qu'il faisait là. C'est peut-être le nouveau que je viens de créer. Du coup, il va passer au coton. Non, au sucre, pardon. Ok, donc ça c'est mon armée. Je l'ai regroupé, ça c'est ma flotte. Je vais voir si je peux pas améliorer mon armée, ouais. Ok, il n'y a qu'une page. Et ma flotte. J'ai pas assez de tissu, donc ça, ça viendra au fur et à mesure. Alors je regarde pour la durée de ma vidéo, faut pas que j'explose le temps. Peut-être encore une ou deux minutes. Ah, j'ai oublié la science, sérieux. Clipper. Bon, je vais les faire. Je peux me consacrer un peu plus d'argent. Là, c'est pas la peine. On va faire trois fois plus. Et pareil ici, voilà. Franchement, j'ai assez d'argent. Alors, ici un mur. Ici, j'ai dit qu'il fallait que je fasse une route jusqu'en Provence. Ouais, c'est parfait, c'est parti. Les chemins de fer, ça coûte quoi exactement? Je vais regarder, mais. Oh putain, là, c'est la vraie guerre. Spain et Suède. La Suède est en train de crever. Je pourrais lui déclarer la guerre pour récupérer tous ses territoires dans les colonies. Le but c'est pas de prendre les colonies, hein, c'est ça qui m'embête un peu. Mais je crois que ce serait quand même intéressant. Allez, c'est parti. Je vais prendre toute mon armée. Bon, pour l'instant, non, je vais prendre la moitié, je vais la diviser en deux.
En fait, c'est l'artillerie qui compte, hein. Le reste. Donc je vais prendre 3 artilleries comme ça, 2 comme ça, escortées par quelques troupes. Je vais me mettre ici par exemple. Et je vais prendre une deuxième armée avec 2 artilleries comme ça, 2 comme ça, un comme ça. Ok. Je la mets à l'autre bout. Ici par exemple. Je vais faire quelques. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. À quelque chose, pardon. J'ai fait pas mal de forts. Alors, les chemins de fer, je vais d'abord relier mes villes, je pense. Une, deux. Ah, c'est la fin de la vidéo. Je m'arrête parce que je sais pas du tout combien de temps il dure. Je vous laisse. Je sauvegarde vite fait parce que, au cas où ça planterait. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.